Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment recréer ce look-là parfait pour l'automne. C'est un smokey eye rouge pailleté, donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut porter à tous les jours, mais si vous avez envie d'un peu de changement pour un événement, une occasion spéciale, et voilà, c'est super beau avec les yeux bruns, mais si vous avez les yeux verts, ça ferait encore plus ressortir la couleur de vos yeux. Donc je vous montre comment recréer le look tout de suite. On commence par les yeux pas le teint parce que les paillettes risquent de tomber sur les joues, et puis comme d'habitude, on met une base pour faire tenir l'ombre à paupières. Avec la couleur Nooner de la palette Naked 3 de Urban Decay, je vais venir commencer à définir le creux de l'œil. Donc avec un pinceau assez large, on souligne le creux. Ensuite, avec la couleur Limit de la même palette, je commence à estomper le creux. Je l'applique un peu plus haut que Nooner. Avec la couleur Strange, qui est un blanc mat, je viens illuminer l'arcade sourcilière et continuer à estomper le creux. Ensuite, prenez un rouge rouille ou un brun très très chaud et puis on va définir encore plus le creux en l'appliquant plus bas que les autres couleurs qu'on vient de mettre. Donc je le concentre sur la paupière mobile et dans le creux. On l'estompe avec un petit pinceau un peu plus précis. Vous pouvez aussi en appliquer un peu sous la racine des cils inférieurs. Avec Black Heart dans la Naked 3 de Urban Decay, je vais venir définir le coin extérieur de l'œil. On fait un petit V en fait au coin extérieur qu'on vient ensuite estomper avec un pinceau plus large. On l'estompe vers l'intérieur, vers le creux. Puis assurez-vous de très très bien l'estomper pour que ça soit juste une ombre, pas un V trop clair. Je vais prendre Element dans la palette Moon Dust. J'en mets beaucoup beaucoup sur un pinceau plat. Et puis avec un spray de fixation, je vais venir mouiller les pigments pour qu'ils soient plus faciles à appliquer. On l'applique vraiment en tapotant sur la paupière mobile pour concentrer le plus grand nombre de produits. Puis on en ajoute jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue. Je peux même continuer avec le doigt pour avoir encore plus d'intensité. Avec le même pinceau que tout à l'heure, j'ai juste estompé les paillettes avec la couleur du creux. En utilisant Spectre, qui est les paillettes roses de la palette Moon Dust, j'ai illuminé le coin intérieur de l'œil. Puis avec un traceur liquide noir, j'ai fait mon eyeliner comme à l'habitude. Ensuite, on recourbe les cils et on applique plusieurs couches de mascara. Puis avec une lingette démaquillante, j'ai enlevé les paillettes qui sont tombées sur mes joues. En utilisant l'illuminateur Albatros de NARS qui est un peu trop jaune, je le mets sur mes pommettes et puis le long du nez pour illuminer avant le fond de teint. Comme ça, ça va faire un glow qui vient de l'intérieur qui n'est pas ajouté en touche finale avec des brillants. Comme fond de teint, j'utilise le Naked Skin de Urban Decay. Et puis vous voyez, on voit encore l'illuminateur, mais c'est plus naturel que si je l'avais mis à la fin. Et puis avec le cache-cerne Lock It de Kat Von D, je viens éliminer la portion sous l'œil et puis cacher des petites rougeurs. On l'estompe avec une éponge. En utilisant la poudre bronzante de Urban Decay, je vais venir définir le creux de la joue et puis les contours du nez. Puis avec une autre poudre bronzante, celle de la palette Master Contour de Maybelline, j'ai un peu réchauffé encore mon teint en l'utilisant plus comme un fard à joues. Puis ensuite, comme gloss, j'ai choisi la laque de Yves Saint Laurent qui est pratiquement transparente, qui va juste venir donner un effet brillant et illuminé. Et voilà le look final. Merci beaucoup d'avoir été mon tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.